Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter un mod qui appartient à l'anime Naruto les gars. C'est un anime incontournable et ce mod est tout à fait à la hauteur de ce qu'il est issu. Et tout simplement les gars, c'est à l'heure actuelle les gars le mod qui a le plus de potentiel d'être le meilleur mod Naruto de Minecraft. Les gars, ce mod là il est vraiment incroyable. Des jutsu que vous ne vous y attendez pas et leur manière d'être présentée est magnifique. Mais avant tout les gars, pour ceux qui veulent créer leur propre survie avec le mod que je vous présente à l'heure actuelle, lorsque vous aurez créer votre monde, à votre première observation les gars, vous avez l'impression que le mod n'est pas installé sur votre Minecraft. C'est tout à fait normal. Un petit tutoriel à établir pour pouvoir bien débuter votre survie et votre aventure de ninja. En tout premier les gars, vous allez donc devoir créer un kunai et un shuriken afin d'obtenir l'avancement de ninja. Une fois que cela est réalisé les gars, vous allez devoir frapper des mobs, frapper n'importe quel type de mod avec votre kunai et votre shuriken. Ainsi les gars, vous allez donc obtenir des ninja XP et vous devrez les gars atteindre 300 ninja XP. Une fois les gars que tout ceci est réalisé, pour finaliser les gars votre tutoriel de ninja, il va donc falloir obtenir 10 niveaux vanilla, 10 XP. Et c'est ainsi les gars que vous obtiendrez votre chakra. Vous en aurez normalement logiquement 300 et vous obtiendrez aussi votre élément de chakra ainsi qu'un genkai si c'est possible. Vous pouvez obtenir le sharingan. Aussi les gars, ce petit truc là de ninjutsu, vous pourrez créer des clones, créer des Rasengan, créer tout cela. Bien évidemment les gars, ça c'est en fonction de votre amélioration sur le jeu. Mais en tout cas, pour pouvoir débloquer des techniques les gars, il vous suffira tout simplement d'obtenir de l'XP de Jutsu. Et pour ça, il vous suffira tout simplement de frapper n'importe quel mob avec votre item de Jutsu. Et à force de frapper, tu obtiendras des techniques, tu obtiendras des capacités, etc, etc. Voyons voir un petit peu les gars ce que le mod propose. On va essayer tout d'abord de réaliser une technique assez simple. On va d'abord créer un petit clone afin de voir un peu ce que ça propose. Donc c'est parti. Hop là, oh les gars, non vraiment, le clone vraiment il est magnifique. Non vraiment, sur l'autre mode en fait, lequel je l'utilise pour réaliser ma petite série, le clone en fait il est tout simplement, c'est un Steve et vraiment ça c'est fort. Est-ce que je peux en créer plusieurs genre? Ouais les gars, je peux vraiment en créer plusieurs. J'ai eu un petit peu le Rasengan, on va voir un petit peu comment il est fait. Essayons de charger un petit peu, donc voilà c'est comme ça les gars, vous avez tout simplement à charger un petit peu votre chakra. Et là, j'obtiens le Rasengan. Et plus je chargerai, plus mon Rasengan sera beaucoup plus grand. Et qu'est-ce que ça fait? Non les gars, vraiment c'est très bien fait. On va essayer de charger les gars jusqu'au maximum de ce qu'on devrait pouvoir charger. Et on va essayer de voir un petit peu. Donc là c'est 3, donc 3 secondes. Et là ouais, voilà, magnifique, voilà. Et si on charge un tout petit peu pour voir un petit peu la différence. Voilà, et là on voit, ouais, il y a quand même une sacrée différence quand même. Essayons de voir un petit peu le Chidori. Ok, donc là si je fais ça. Non par contre ça me fait un petit effet bien dégueulasse, c'est chiant. Ok, donc là si je fais ça, ça fait un petit laser. Le laser que Sasuke fait. Fais ça tranquille, t'as capté, ça fait un petit laser. Regardez un petit peu les gars, regardez les pauvres moutons, comment ils vont souffrir, regarde bien. Écoutez, écoutez, écoutez le son. Et là les gars, je lâche un dragon, mais d'une beauté. Oh là là les gars, non mais les gars, non mais vous voyez un petit peu les gars pourquoi je vous dis que ce mode là il a un potentiel énorme. Regardez, on va recommencer les gars, écoutez le son, écoutez le son. Le dragon magnifique. Et là ça va lâcher pas. Non les gars, non les gars, vraiment non. C'est beau. Let's go, essayez ça les gars, première technique intangible. Bon je sais pas ce que ça fait, je crois que je peux. Voilà, je peux aller dans la terre, je peux voyager tranquillement. Bon, c'est pas un truc c'est un truc de fou en fait. Tu peux carrément aller ouais, tu peux en fait aller miner. Première technique les gars, le wall, c'est parti. Chargeons. Hop là. Le mur de pierre. Non mais les gars, attendez, mais c'est pas un truc de fou. Non mais vraiment les gars. En réalité les gars, moi si je devrais jouer à ce jeu les gars et que je devrais avoir un élément, ce serait tout de suite la terre. Regardez un petit peu les gars comment c'est trop stylé. Plat d'automne, mur de pierre. Paf. Mais regarde frère, regarde. Mais t'as vu, t'as capté ou pas? D'automne, mur de pierre. Paf. Les gars, non, c'est pas stylé. Moi je kiffe faire ça frère. Regarde, on va charger le plus possible. On va charger un petit peu. C'est 50. Vous êtes prêts les gars? Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? C'est parti. D'automne, mur de pierre. Voyons voir un petit peu l'autre technique. Le sandwich jutsu. Ok, essayons sur eux. Et voilà, les gars, ça fait ça. Mais les gars, vraiment. Ça attrape le kemé. Et là, tu peux le frapper. Tu comprends, frère? Non, mais ça, c'est pour ça que je kiffe le. Pour ça, en fait, que. Frère, et la technique là, elle est pas vraiment folle. Mais en fait, la manière qu'ils l'ont présenté, la manière qu'ils l'ont animé, c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai kiffé. Regardez bien, les gars. Écoutez bien le son.
Eh les gars, non mais ça c'est pas un truc de fou. C'est pas un truc de fou ça. On va essayer un petit peu les flammes c'est waouh. Après il y a aussi le mot couton. On va essayer les gars un petit peu le mot couton après. Voyons voir un petit peu propre technique du fire. Oh mais non les gars, c'est une dinguerie les gars, ça fait une boule de feu. Boule de feu suprême. Dommage qu'il n'y a pas le son frère, dommage qu'il n'y a pas ça, ce qui parle. Voyons voir un petit peu l'autre technique. Great Annihilation. Hein? Oh! Les gars, je m'y attendais pas à ça. Un katon tout simplement. Ah non les gars, non. Non, ça a le flow. Ça a le flow, en plus c'est bien fait. Non les gars, non, ça a le flow. Non, vraiment, ça a le flow. Non, non, vraiment. En plus, je crois que c'est Madara qui dit ça. Ah, pourquoi ta technique, elle est vraiment chiante, hein. Ah, frère, c'est censé être une technique où le gars, ça devrait t'aider. Frère, ça t'aide pas, là. Le Rasen Shuriken, les gars. Et oui, les gars, et oui. Regardez ça. Un petit peu le Mokuton frère, c'est une technique, c'est un délire que je sais pas trop comment. Ah ouais non mais carrément ça fait un arbre. Full pillar prison technique. Oh les gars, ça va faire une technique hein. Ça va faire une prison. C'est 40. Ok, on va la lâcher là. Ok. Oh Mais frérot, tu peux même faire des maisons. Oh. Oh les gars, regardez-moi ça. Non vraiment les gars, le Sharingan il a trop de flow. Si moi je devrais jouer les gars, Amaterasu. Oh frérot, Get. C'est des flammes les gars, ça s'enlève pas hein. Susano en mode rouge frérot. Essayons les gars les packs, les pattes. Oh. Wesh. Regardez un petit peu ce style quand t'as vu ça part. Et là tu veux les enlever, paf, et ça c'est. Ah wow. Ok, donc si je cherche comme ça. Ah les gars là. Oh mais frère, attends. Frérot, attends. Prévenez les gars quand vous faites des trucs comme ça. Deuxième porte, troisième porte, quatrième, cinquième, sixième. Et là frère, je lâche. Oh. Oh. Oh les gars, mais guettez. Frère. Et là, dragon frérot. Non les gars, non. Eh, juste pour ça les gars, juste pour ça, allez installer le mode. Moi j'ai toujours voulu voir ce que ça fait. Magnifique. D'abord les gars, il y a ça qui est là. Ça c'est quoi? Ok, donc ça c'est, les gars, c'est le sort de bâtonnet avec les premières techniques du Rinnegan. Power, il est... Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, je suis capable de voler peut-être. Ouais, je suis capable de voler. Ok les gars, deuxième technique, préparez vos fesses. Les gars, vous allez jamais pouvoir supporter ça. Les gars, attendez, d'abord, la troisième technique c'est quoi? Je crois que c'est le répulsion céleste. Je suis pas sûr parce que j'arrive pas à bien le... Ah ok, ça c'est répulsion céleste, donc c'est... T'as capté, je peux faire venir les gens avec mes yeux, ok. Et maintenant les gars, maintenant Shibaku Tensei frérot, regarde ça. Shibaku Tensei.